du service aussi de secours, c'est bien. Et voilà, il va nous dire le mot là. Alors, bien bonjour monsieur Martial, comment ça va? Oui, bonjour, ben, écoutez, ça va bien. Donc je suis effectivement lieutenant pratique martial, le responsable des COS aujourd'hui sur Saint-Pierre. Donc effectivement, je dirige la caserne de Casse-Pilote et de Saint-Pierre. Donc pour l'heure, si vous voulez, il y a, après avoir fait une reconnaissance, il y a quand même beaucoup de monde donc sur le front de mer. Pour l'instant, ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème particulier à signaler. Au niveau du PC, nous avons déjà reçu 5 victimes, mais en fait, donc, ce sont des petits coups de chaud et les victimes sont en train d'être prises en charge par le médecin des sapeurs-pompiers. Ça se passe très bien, ils sont allongés. Pour l'instant, pas de grosses frayeurs. Ouais. Alors ça, je suis content d'entendre pas de grosses frayeurs. Donc, ça arrive souvent dans les, à la vue des étapes, on attend comme ça, il y a des gens qui ont subi, qui ont laissé leur peau à cause de ça, non? Alors non, pas laissé leur peau, je dirais effectivement qu'il y a eu des traumatismes beaucoup plus importants et qui a nécessité des évacuations vers le site hospitalier, par dragon et effectivement par hélicoptère. Mais ceci dit, pour l'instant, ça n'arrive pas. Actuellement, nous avons une intervention donc, effectivement d'un youler qui a été blessé au niveau de la hanche, qui possède un hématome, mais ce n'est pas trop grave, il est déjà pris en charge par un VSAV qui était monté au niveau du prêcheur pour le récupérer. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est une bonne ambiance, le public se comporte parfaitement bien et je suis très satisfait parce qu'après 2 ans, si vous voulez, de disette, je constate quand même que nous sommes à la bonne enseigne et que et tous les Martiniquais comprennent que c'est une fête dont on a besoin, mais ils ont une bonne compréhension des choses et respectent la sécurité et également les ordres qui sont donnés par les gendarmes et autres. Si je comprends bien, ça a toujours été, pas toujours comme ça, pas toujours bien, mais ça se passe dans de bonnes conditions quand même. Absolument, ça se passe dans de bonnes conditions. Nous sommes des fonctionnaires de la protection civile, de la sécurité civile. Et donc pour l'instant, il y a une bonne collaboration entre nous. Et j'espère que ça va durer jusqu'à 16h, parce que je suis responsable du dispositif jusqu'à 16h. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ok, eh bien d'accord. Ce qui nous reste à vous souhaiter que de bonnes choses et de bonnes continuations. Lors des événements comme ceci, il y a beaucoup de monde. On vous souhaite plein de bonnes choses. Eh bien, je te remercie beaucoup et puis bonne continuation à toi aussi. Ouais. Et puis on reste en contact. Merci à vous et merci de vous déplacer pour vraiment nous faire vivre ce que c'est que le secours au niveau d'un poste avancé. Merci beaucoup, monsieur.